mais toi, t'es pas un con, quoi. Alors tous les matins, les Class Rockers se lèvent à 8h et descendent directement pour le petit déjeuner. La journée type d'un Class Rocker comme moi commence toujours par un verre de jus d'orange. Juste les verres là, il est. Ouh, c'est pas facile, hein. Parce que quand tu te couches tard, en général... Tu te lèves tard. Tu te lèves tard. Et là... Ce matin à 10h, oh, regarde, tu veux le réveil, tu veux le réveil des rockers, regarde, tourne la caméra. Donc juste après le petit déjeuner, nous nous retrouvons tous dans la salle de chant pour nous échauffer la voix et participer à des petits cours de chant. 1, 2, 3. Moi le matin j'ai la voix de Moreau donc ça fait. Du coup c'est pas forcément facile d'attaquer direct avec un échauffement de voix. D'ailleurs ça rapporte quand même pas mal, ça échauffe quand même la voix pour le matin, donc pour la journée arrivée, donc c'est très très utile. Directement après les cours de chant, on se retrouve tous dans nos locaux de répétition et c'est parti pour les répètes. Bonjour, on sent les Junkie Monkeys. Hey, donc après les répètes, nous avons droit à un bon repas. Ah, ça défonce. On mange trop bien. Top. Et beaucoup. Magique. Tout le temps. Ah, les gens du resto là. Compliments au chef. Big up. Ouais, la première réflexion, c'était l'ambiance de folie, quoi. Enfin, tout le monde est cool, que ce soit les organisateurs, les arrangeurs, enfin toute l'équipe, vraiment, il y a. Et là, avec les autres groupes aussi, il y a vraiment une super entente, quoi. On a l'habitude de rester dans un petit local. Là, on entraîne plein de groupes avec du bon matériel. On apprend et on mûrit. Donc une fois qu'on a bien mangé, on se retrouve dans nos locaux pour commencer une répétition pour l'après-midi, quoi. Vous avez vu, au solo de guitare, c'est pas forcément obligé de commencer toujours à donf. Là, on fait l'inverse, solo de guitare, hop, tout le monde en bas. Et là, du coup, il ressort encore mieux en bas que si on rentrait tous comme des malades dedans. Ça nous a choqué sur le coup. Nous, on est arrivé avec notre compo, ouais, elle est terminée, nickel. Fait, ah non, là, il y a tout à reprendre. Et au final, bah, pour l'instant, c'est que du plus. En fait préserver le côté live du groupe parce que le groupe joue bien en live et tout, donc on va essayer de faire le maximum de trucs en live. Après une courte pause, on se retrouve tous pour les ateliers du soir. Les ateliers qu'on a eu sur l'arrangement, sur l'harmonie, tout ça, que ça soit des trucs qu'on sait à la base ou pas, c'est vraiment très bien expliqué de façon très claire. J'ai pas appris de choses complètement nouvelles, mais ça m'a permis de consolider ce que je savais de façon beaucoup plus limpide, quoi. Ça, en même pas une heure, il a réussi à m'apprendre plus de trucs que j'ai pas appris en 6 ans de base, quoi. Nous avons eu la chance d'avoir chaque groupe un photographe professionnel pour nos petites séances de shooting, quoi. Évitez, vu qu'on a la lumière qui vient de ce côté-là, évitez d'avoir vos mains devant le visage de ce côté-là. C'est génial, ça te dépayse totalement, il n'y a rien autour, donc qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres forcément sur ta musique. C'est simple, le GPS, il marque Ristola et après il n'y a plus rien, quoi. C'est la fin. Il y a la montagne et l'Italie, tu vois. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais le silence, c'est le meilleur moyen de travailler la musique, quoi, parce que... Il n'y a personne aux alentours, il n'y a pas de bruit, c'est calme et du coup on est dans les meilleures conditions possibles, donc c'est parfait. Après, on se retrouve tous à Logival pour les soirées organisées.
soirée à l'Ogival. J'ai envie de dire le Scottish, j'ai envie de dire la Chapeloise. C'était rigolo quoi, non, c'était cool, hein, c'était étonnant quoi, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se confronter à ça. Ouais, c'est sympa vu qu'on est tous passionnés de musique, on partage avec d'autres musiciens et c'est ça qui est agréable en fait. Ce mix il est très intéressant parce que ça permet de faire rencontrer des gens entre eux qui n'ont pas du tout le même environnement de vie mais qui pour autant arrivent à communiquer sur la base de choses simples comme la musique ou la danse ou le jeu et tout, donc ça c'est super marrant quoi. On voit qu'il n'y a pas que le prétexte de la musique pour être amis, vu que voilà, y a un plan de jeu, etc. pour tisser des liens. Le stage classe rock en enseignement. Je dirais que ce stage, il est exquis. Bah, moi, je dirais juste épanouissant. Intéressant. Moi, je dirais... Encore. Encore. Voilà. En fait, voilà, c'est voilà. Ça, jusqu'à la fin de notre vie. Une semaine à fond dans ça, à 8-9 heures par jour, et bah, bah, bah. Bah. Un mot. Excellent, je crois. Énorme. Formidable. Nickel, rien à dire. Merveilleux. Parfait. Une journée terminée, une fois de plus, et là, je vais me coucher demain. Rebelote. Allez, bonne nuit.